Salut à tous, c'est l'ami Dédé en compagnie de Matt et de un abonné, Zetor. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Good Old Farm et on va faire du foin. Enfin, on fait du foin. Enfin. Plus le temps que les gens ils nous le demandent. Oui. Donc, bon, par contre, on sera que deux à parler parce que Zetor il a pas de micro. A cassé son micro. On a voulu lui faire plaisir pour qu'il vienne et puis du coup bah voilà. Et merde, je me trompe de touche. Ferme la porte d'entrée quand même. Alors Dédé il a le hats aujourd'hui. Et Zetor il prend le bûcher. Bah allez-y hein. Je peux pas presser. Je passe devant parce que sinon Oui enfin. Attends, je sais même pas ce que j'ai fauché. Je t'en rappelle déjà plus. Ouais. Si, on va passer par là, ça va nous faire convenir. Tu veux pas faire de l'enrubanage de petites bottes? L'enrubanage de petites bottes. Quoi? Ça existe une machine comme ça? Eh ben, tu prends la manche à balai, tu prends le rouleau de film, et puis hop! Allez! Chacun d'un côté, et puis hop, on est parti! Oula, hein. attention, putain! Je sais pas combien je suis là, mais ils tracent les petits tracteurs! Oula, je sais pas ce qui s'est passé moi, mais le tracteur il a fait. J'ai freiné, puis voilà. Non. Allez, il commence lui. Non, pas celui-là il prend fauché celui-là. Oh ben Dieu. Mais il a déjà repoussé celui-là. Celui-là, oui. Il a jamais été refauché en même temps. Non. Reculez. Putain. Ah. Purée, ils ont cassé mon. Eh, j'ai celui qui coûte le plus cher. S'en fout. Bah non, s'en fout pas. Oh. Bon, par contre, comme vous avez pu le voir, on a encore des petits soucis. On a dû refaire encore la sève. Encore. Et à mon avis, c'est la map qui merde un peu, donc on va revoir tout ça. Et voilà. Oh là 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 là. Vite avant qu'ils arrivent. Bon, Dédé, il sait pas conduire, hein, comme vous pouvez le voir. Ça ne change pas ça. Comme d'habitude. Mais comme je suis en forme, je vais peut-être leur faire un petit épisode sur Hunter. Bah vas-y, fais-toi plaisir. J'en sais rien encore, je sais pas. Mais parce que monsieur se plaint que vous regardez pas assez son épisode. De toute façon, l'épisode 2, je veux 100 vues en un jour, sinon j'arrête la série. C'est terminé. C'est tout ça à faire. Il y a 3 champs en 5 mètres là. Allez-y, go. Bah, faut que j'attende qu'il ait un peu d'avance. Hein. Que... Bah oui, tu fais au moins 2 fois le tour. Moi j'attends que tu fasses l'andin et puis go. Putain mais... La faucheuse elle coupait plus ou quoi? Pourquoi? Tu veux voir en route ton traîneau qu'on régresse maintenant que t'es là? Attends, parce que si je mets en route, j'ai peur qu'il avance. Bah, tu vois, si je mets en route, il avance. Il a pas de frein à main. Faut que je mette une vitesse. Putain, lui, je pense qu'il en chie, le pauvre style. Oh, le pauvre petit tracteur. Mais en même temps, il a point de pneu. Tracteur table. Ah là là va. Adieu. Oh là là. Ah ça y est, tous les bras sont pliés, ça y est, tout cassé. Ça va faire des bras repliés manuellement. En même temps les gens ils ont pas l'habitude. Hein. Ah là là. Allez Dédé, on donne ça. Faire ce que je vais pouvoir, ouais. C'est longtemps que j'ai pas entraîné avec un simple toupie, hein. Oh là là. La misère, ça. Mais non. C'est dans les heures des pauvres. Ah merde, j'ai pas repris dans le bon sens. Mais voir une vitesse correctement. Tant mieux. Tu sais, à cette époque-là, cet entraîneur-là, c'était tout moderne. J'aurais dû prendre un soleil, ça va mieux.
Ouais, mais bon, on avait prévu, mais le pauvre soleil, il va pas pour mettre en mer. Ah, mais il y a une personne à proposer pour mettre la mode, les modes. Ouais, s'ils sont pleins d'erreurs comme les miens, ça sert à rien. Oui, c'est sûr. Pourtant, moi, je suis un bon convertisseur en MR, hein. Ouais, enfin. C'est pas pour me vanter un peu. On va dire ça comme ça. La tracteur Tom, attention! Ça! Avec ZZ dessus! ZZ! Là là! C'est vrai que quand on regarde son look devant. Tracteur Tom. Fait le même bruit en plus! Ah cool, il y a un andin! Un port pressé! Un port foot. Alors attendez, parce qu'à la presse là, c'est spécial! Alors. Faut déjà aller comme les gants derrière. sont sur les tracteurs, hein, ils sont Ouais, spéciaux. derrière. Hop. On baisse ça. Ensuite, on l'a. On appuie sur X. Baisse Voilà. le cube. Ouais, mais on va pas le baisser tout de suite parce que les pauvres dents, ils vont. C'est pas grave, tant que tu mets pas en route, ça risque rien. Oui. Ah Tac, tac. si. Non, mais je vais le baisser là-bas dans le champ. Faut que je recule. J'ai dit reculer! Oh là 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 là. Et après c'est moi le brisant. Oui, c'est toi. Je fais des ondes bien larges, on dirait que c'est une grosse fresque en vrai. T'inquiète, on va résoudre tous les petits soucis là. Là, on va s'inquiéter de tout ça. On a laissé un peu à l'abandon. C'est pas trop inquiété des modes, mais bon. On va revoir à tout ça, puis après la prochaine fois, ça ira mieux. Putain, mais il en a foutu sur la route, tout le monde. Ça m'a croqué un petit peu. Ah bon, Je dois tu faire crois? ça. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de circulation, hein. Ah, sur cette route-là, par le laitier, ça va. Même le laitier, il a le camion de dernière génération. Tu sais, nous, on est des Bah, je fais jeunes. gaffe parce que le tracteur, il a pas beaucoup de freins. Voilà, on baisse le pick-up. Et puis, normalement, ça devrait y aller. Normalement. Non, non. Oh Tant que... là, j'adore les animations de ces petites places-là. Oh, puis écoutez-moi ce son. Ça couine de partout. Il Ah, est par content, contre, ça. les particules, ça a été un peu abusé, mais bon, pas grave. Faut pas tous avoir un bon PC et puis pouvoir jouer avec des bons modes avec des beaucoup de particules. Hein. Non, mais ils sont un peu trop abusés, il faut que je réduise ça. Alors attends, parce que. Tracteur Tom, il me fait chier. Oula, oula, oh, scale là, le tracteur! Putain! Faut que je trouve la vitesse, attends. C'est en 3 km à l'heure. Voilà. Même pas. T'as pas me dire que la presse elle te pousse? Non, mais. Ah, si, sûrement, hein. Des coups de piston, ça. Putain, une botte déjà. On est riche, c'est bon. Alors c'est vrai que le pick-up, je peux pas le relever comme ça. Si je veux le relever, il faut me défendre. Oui. Comme les vraies presses, hein, une fois qu'il est baissé, il est baissé, hein. Ah oh putain, ça braque pas les petits tracteurs. Bon, je vais faire un tour dans le champ. Je jure que ZZ il se dépote, hein. Ça change. Ça change les deux autres, hein. Je crois qu'ils travaillaient mal, mais. Ah là là, je vais leur dire. Ouais, y'en a un encore ça allait, mais l'autre c'est un brisant. Mais... Là, il y a une botte, elle va tomber sur la route, fais chier. Ta faute, hein? Toi te gérer, hein, mon gars, hein? Toi Bah, tes ondes, c'est de la merde. Ça y est, on commence. Je démissionne. Encore? Non, Ah. ça va, elle est pas sur la route. Ça moi, quoi. Oh, les ondes de fou, toi. Farming font chier à faire des trucs si gros que ça. T'inquiète pas, hein, ça va bien se passer. Ça y est, il va avoir fini le champ, je vais pas avoir fini le premier tour de celui-là.
Parce que un tracteur, je peux pas tourner en dénant. Ça tourne pas. Ça tourne oui, pas. Oui, 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 oh, oh, j'ai avancé là dans le vent. Oh là là. Allez, tracteur, faut leur faire une révision. Hein. Et puis, il braque pas. Hein. Ça doit être des deux roues motrices, ça braque pas. Hein. Si, si, comme une herse. Ils les ont un peu trop limités, moi, je dis. Ouais, faut être chaud. Ouais, attendez. Ça t'a fait 3 bottes. 4. Oui. Allez, viens, non. On va attaquer le premier tour. ZZ, je te garantis que ça dépote, hein, à Fanny. Il va avoir largement fini avant nous. Et bah, te les ramassera tout seul, du coup. Oula! Oui, excusez-moi. Il y a ma mère, elle m'appelait. Faut ce qu'il faut aussi. Voilà. Ça fait l'ornel, j'espère. Non. Oh. Je fais ce que je peux, surtout. Fais rire, toi. Je sais pas pourquoi, mais là il va gueuler. Jardin, trop près de la barrière, on peut pas le prendre. La ligne, là là là. Non mais. Je connais comme si je l'avais fait. Regarde pas dans le prochain épisode, ramassage de bottes. Oh là là. Deux gars à la petite fourche. Et un gars au tracteur. Je me mets au tracteur. Ouais, je vais peut-être être malade et peut-être avoir une angine en plus. Attends, parce que sur Somme-le, je compte faire les petites bottes bientôt. Et c'est l'une. C'est les deux grandes parcelles d'herbe que j'ai. Non! Si! On va faire au moins 3000 bottes là-dedans. Ah, je suis pas là. Ah, si, tu vas être là. Putain, j'ai pas fini de déchaumer. Bon, fou, moi! J'ai pas fini de prendre le fumier en plus. Ouais, moi j'ai même pas commencé. Tu sais où il est l'autre petit champ? Ouais, voilà, par là. Ouais, il est là-bas, tu verras, c'est le champ fauché. De toute façon, il y a que nous qui avons fauché. Mais tu sais, il y en a un autre encore. Hein. Putain, mais c'est quoi qui nous a fait la commandant de merde? Il y en a deux encore. Ah, elle est bien jolie cette petite place, moi je vous le dis. Alors combien de bottes? On en a fait 10. Eh ben vieux, les bœufs vont pas graisser bien vite, hein. Bah oui, parce qu'ils font... C'est 30 kilos les bottes. Une botte par jour. Mais non. Par bœuf. T'en donnes bien, toi. Je te merde. On donne bien. Ah, le klaxon, ça marche. Hein. Ce qui est bien, c'est que les faire tout touche les bottes, c'est ça qui est bien. Oh, elle est belle cette presse. Oh putain. Et il nous fait chier à presser avant que j'ai fini d'en donner. Attends, il veut pas attendre, il veut dire, oui, il veut dire. Eh, hey, je vais pas attendre de me faire chier, moi. Oh. On est une grosse entreprise, hein, pour l'époque. En fait. J'avoue, on a le matériel le plus moderne qui existe. Oh, y'a le laitier qui nous a battu quand même. Ouais, non mais t'inquiète, on va essayer de régler ça. J'ai trouvé un vieux matériel là, un vieux camion là. Eh mais je suis en train de penser, un cheval avec une citerne, ça ferait pas pareil. Non t'inquiète, j'ai un camion. Un camion, oui, un vrai. Ou alors on le supprime le laitier.
Oui, bah, je connais, on amènera le lait. Avec nos chevaux. En tout cas, ça va bien pour presser. Ah, il y a des oublis parce que les Andes sont plus gros que la presse. Mais... J'ai cru que t'allais dire qu'ils étaient mal faits. Et aussi. Ouais, voilà. Et aussi. Ah. Et aussi. T'as l'autre, il a deux champs d'avance sur moi. T'es... Qui, ZZ? ZZ, je t'invite plus, hein, pas trop vite. Je te suis plus. Hein. Pourtant, je suis quelqu'un qui travaille assez vite. Ouais, même trop vite des fois. Oui. Tellement que j'en travaille vite que je suis somme-le, c'est même c'est ni fait ni à faire ce que j'ai fait cette après-midi. Oh putain, je viens de délier une botte là. Ah ben voilà. Ben oui, mais attends, oh, d'habitude y'a un gars qui les ramasse devant moi là. T'as bien qu'à prendre une fourche et puis les pousser celle du tour. En douille. Gna 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 gna. Toujours plus malin que les autres de toute façon. Oui. Voilà, c'est fait. Et allez. Et elle va retomber sur mon andin. Et allez. Ah. Elle est retombée. Non. Presque. Allez, tais-toi. C'est pas ma faute si c'est des parcelles de merde là. Et puis tes andins, c'est de la merde aussi. Y en a un que j'ai fait assez rapprocher, ouais. Ça t'apprendra. Puis gagne-moi ça, ça veut même pas tourner, ça. La braque comme une herse, mon gars. T'as pas voulu qu'on mette la barre, hein. Même mon 4 roues, mon 180, il braque mieux, oh. Ah ben, heureusement, ouais. En parlant de 180, il va bientôt falloir que tu la donnes à la tonne, hein. Ah ouais? Ah ouais. Mon dieu, putain, je vais avoir les patates à récolter, les betteraves, le maïs. Ah, c'est la saison de tournetéor, hein, tu sais. Ah hein. Putain. C'est là que tu fais ton chiffre d'affaires. Et puis, c'est là que j'ai déjà pas le temps de venir, hein. Putain, bon, c'est pas grave, je viendrai. Sinon, t'embauches un ouvrier? Jamais. Je paierai pas ça, mon père. Comme si comme ton ancien ouvrier qui s'est installé comme en étant ton voisin, il vient te donner un coup de main, t'sais. Non. Il le fait déjà. Non ça. Mais tu comprends pas là. Je prendrai pas d'ouvrier sur toi déjà. Bon, non, tant pis pour la botte. Ah, pour la pousse avec la roue. Tac, du coup de toute façon. Ah, non, ça touche pas. J'ai déjà touché. Ça a pas touché. Toi, fais l'ordre. Dépêche-toi. On aura la petite fourche. Dans le prochain épisode, on ramènera aussi la presse. On pressera ce qu'on a oublié. Ouais, voilà. J'emmènerai la presse. Bon, si tu veux. Sans plaisir. Non, il est où, ZZ? ZZ, il a presque fini. Il lui reste une parcelle à faner, il a fini. Il y a la petite fourche. La petite fourche, ouais, elle a activé, ouais. Ah, bah c'est une bonne nouvelle, ça. Il va aller rechercher la petite fourche. Voilà. Et il va regrouper des bobottes. Ouais, il va regrouper les bottes. Il va déjà foutre, enlever celles qui me font chier. Putain, ça couine de partout, s'te presse, hein, Dieu. Ah, elle est bien. Elle est mieux que l'autre. Déjà parce que c'est pas toi qui l'a mis en MR. Oh le connard, toi! De toute façon, on s'en fout sur Sommeleuse, on va investir tous dans des nouvelles faucheuses là. Oh, que oui! De toute façon, moi je devais déjà changer cette année alors. Moi je pars chez Cleverland. Ah, toi aussi? Nico aussi. Il prend la traînée, moi je prends les deux portées, moi. Les deux portées, eh oui. T'as pas tout le gars, tu sais. Et alors? Tant que t'as pas tout, hey, c'est pas parce ah, que. Ah, hey, allez, il a commencé ma presse. C'est pas parce que je viens plus de trop que tu toi te permets tout, vieux. Oh. Je viens plus de trop de me permettre tout, rien du tout, oui. Comme dirait Thomas, ça nous fait des vacances depuis tout. Ah ouais, il a dit ça. Oui. Ah putain, vas-y, ça fait chier là. Je peux pas prendre les andins comme il faut là. Les bottes, ils font chier. Viens vite avec une fourche parce qu'il va nous faire un suicide. C'est moi qui les regroupe, gagne-moi ça, regarde. En plus, on presse pas comme ça, Nico. Oh là. Mais là, putain, mais comment veux-tu que je fasse? Y'a des bottes de partout. Oh là 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 là, ils savent pas presser ces petits jeunes. Mais putain, mais il est con quoi. Y'a des bottes de partout. Et je peux pas reculer, je peux pas.
J'aurais dû faire deux tours déjà, et puis... Quoi? J'aurais dû faire deux tours déjà, et puis il faut commencer par le milieu, puis se finir par les côtés, normalement. Oui, enfin, hein? Oui, ben, hein, on fait ce qu'on peut. T'en viendras mieux que ça aussi, hein? Non, mais... Je te merde, hein? T'en donnes mal de toute façon, c'est tout, je t'ai déjà dit. Pourtant, quand je tiens ton ouvrier, tu pouvais pas te passer de moi, de mes envers. Ah, oh, ça y est. Ça va être trop bien, mes envers. Oh putain, les particules qu'il y a, s'il te plaît. Viens toi. Et puis déjà, quand tu fais des petites bottes, y'a toujours quelqu'un derrière toi pour les... Non, moi j'ai jamais personne. Oh allez, ça y est. Oui, et puis les andailles doivent être un peu plus espacées, hein, je pense. Hein. Ouais, mais c'est fait exprès pour t'en chier. Allez, je te laisse, mon gros. Comment ça? Regarde-moi ça, regarde là, peut même pas tourner là, tranquille. Et puis en plus, il en a foutu une là. Oh là là, je vais aller chercher une fourche parce que c'est le bordel. Comment je vais la ramener aussi? Happy? Va dîner toi, ZZ a bientôt fini. ZZ, y a une fourche à la concession. Fourche toute neuve. Toute neuve, jamais servie. Elle a jamais fait d'ampoule aux mains. On mettra ton nom dessus. Ça sera la tienne. Tu reviendras pour la paille. Vous allez plus en chier pour la paille. Ah oui, la paille, m'en fous, c'est pas moi qui presse. Go, t'as intérêt à bien moissonner, vieux. Ah non, je vais me venger là, tu vas voir. Honneur au gars qui moissonne sur sa bleue. Vengeance. En plus, le petit Mathieu est malheureux, c'est... il y a plus son dédé sur la batteuse sur sa bleue. Comment ça? M'en fous, moi. Moi, je m'en fous, au soir, c'est moissonner ou j'achète ma batteuse, c'est clair. C'est bonne nuit. Oh là 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 là. Ou alors c'est, enfin c'est après vous, c'est vous qui emmerdez parce que je ferai pas le temps de pouce tant que mon champ sera pas moissonné. Personnellement, moi ça m'arrange plus que. Mais ça n'arrange pas Thomas. Je m'en fous de Thomas. Ok, bah je lui dirai. Le salaud toi. Eh oui, vengeance. Ça va la vengeance. Détruire ta ferme. Oh. Voilà. Si t'as convaincu Thomas de prendre une nouvelle boîte à vitesse, ça n'aurait plus, il serait plus emmerdé. Mais... J'ai enfin réussi. Combien de bottes? 60. Aïe, déjà? Arrête! Tu vas faire laguer le serveur. Pas plus de 100 par joueur. Par joueur? Bah, on est 3, ça fait 300, hein. En douille. Non, on est deux permanent. Oui, mais on est trois. T'as dit par joueur. Ça. Je pense que ZZ il compte pour un joueur. Ah, là ça fait 300. J'ai un souci. Ah bon? Help me. C'est quoi de ces andins qui nous a fait également? ZZ, en fait, tu viendras pas recouper les bottes. Tu viendras que ton tracteur, tu viendras pousser l'andineur. Ah, purée. Non mais dépêche-toi de finir, ben Dieu. Oh, il m'énerve. Mais je peux pas, là, des heures écouessées. Pousse-moi la botte, là, enlève-moi ça devant. Comment tu veux que je fasse? Tu marches dessus, ou je sais pas. Ah oh, purée, c'est n'importe quoi. Tant pis, j'ai pas dans la presse. Oui, c'est ça, oui. Enlève-moi les ficelles. Ouais, c'est bon. ZZ, il vient de finir de faire des rouges. Une fourche ici, ce serait pas de mal. Ouais, autant j'arrive. Surtout que Dédé il a endainé mal le champ, parce qu'il, je sais pas ce qu'il a foutu dans les coins. Oh, tac. Je vais aller me baigner à la rivière. T'as raison, nous à toi. Je vais nager. Ça fera un con en moins sur cette terre. Sois le con, oui. La brute. Je suis susceptible en plus. C'est toi qui as besoin d'une ETA pour faire ton lycée, ça.
Là, au pire, il y a Nico qui me prête sa tête gratuitement. Ah, bah alors pourquoi tu veux payer alors que t'as une tête gratos? Bah, parce que avec toi, c'est plus vite fait, quoi. Ah oui. Ah oui. Et c'est sûr, 20 000 litres comparé à 10 000. 11 575. Oui, 10 000, quoi. 11 575. Ah, il y a ZZ qui vient de passer. Ouais, bah, il aurait pu s'arrêter, ce coup. Je crois qu'il faut plutôt que tu lui écris, parce que... ZZ, arrête-toi. Putain, j'ai fini le show, il y a même pas... Oh là 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 là. J'ai pas fait un tour, l'on est et pris. Bon, je vais le pousser, il va passer. Non, je vais casser le l'urniman. Je vais laisser la presse allumée, je pense. Ça fera moins de dégâts aux dents. Non, je vais lever le pick-up. Fignon. Presse toute neuve. Et on pompe, poup, poup. Ah bah ça va aussi bien. Oh, tous tes oublis qu'il a fait. Oh là là. Et qu'est-ce qu'il nous a fait là? Oh là 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 là, mais ils vont tout brouiller ces jeunes là. Ça va faire plus propre au bord de la route quand il n'y a plus de foin. Avance, Dédé! J'arrive! Oh putain, mais le bon Ryan John, il est même pas là. Mais mets-toi dans le tracteur! Oh là 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 là! Tiens, ZZ, va regrouper un peu de bottes. Fais le tour du champ avec moi, Landener. Sinon, plutôt. De toute façon, il a fini de presser, c'est bon. Non, mais pas les bottes là! Non, fais là, on s'en fout, là, il y en a que 3. Fais donc le tour du champ avec moi. Attends, déjà que le tracteur redémarre. Ah bah. Ah là 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 là, des. Il faut les mains que j'en fasse une. Ça faisait longtemps. Des changera donc jamais, hein. Si. Matériel là, il est fragile, hein. Oh! Aussi fragile que ta connerie? Eh ben, il doit être fragile quand même! Remets bien en un là, cette aide! Ouais, voilà, c'est bien! Oh putain, c'est quoi cette entrée là? Ah, c'est mon entrée frère favorite celle-là! Elle est encore plus petite que les autres! Ça m'écarpille la presse en douille! Je crois que ce que je vais faire, hein, parce que. Jamais je rentrerai sinon! Allez, purée! Bien. Ah là 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 là, quelle perte de temps. C'est toi la perte de temps, ouais. C'est pas pressé. Mieux que toi. Jamais d'oubli, moi, dans mes champs. À part aujourd'hui, à cause de toi. De quoi? Comment? Oui, oui. Oh, puis il braque pas, ce tracteur, mais regardez-moi ça. Je suis braqué à mais fond, là. Je viendrais dans l'autre sens, ça irait mieux, John. Eh non, ça passe. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Tu peux pas refaire un deuxième tour, non? Oh putain. Non. Faut être comme ça. Non mais il ferait deux fois le tour quoi, on serait moins emmerdé, mais non. Mais non. De toute façon, t'as ZZ qui t'accompagne maintenant, ouais, ça va bien ça aller. Ça passe. Mais comment veux-tu que je presse là? Je peux même pas. Je suis serré à fond là. Presser la presse repliée comme ça, ça le fait pas. Si, si tu peux. Faut pas aller vite quoi. Allez sans le pique. Là, te mets pas devant sinon tu vas passer dans la presse. Oh, bravo, aide-moi. Allez, elle est bien cette presse. Je vais peut-être la changer contre la miolante. Mais oui, c'est ça. Pas de sous. Mal plus riche. Oh là, ils ont d'un merde qui nous fait. Pourquoi il nous met à l'extérieur? Il a bien raison, comme ça peut-être on va chier. Ah mais après ceux long là-bas tu les laisses.
Ouais, celle-là tu fais un tas dans le coin et puis voilà, boum. Mais il prend soin Par contre, tiens, si tu veux te rendre utile, là-bas les coins ils sont pas bien faits parce que Dédé il a fait de la merde. Oh, hé, hey, te calme toi, sinon tu vas voir, hein. Côté arbre-sonneuse, tu. Quoi? Quoi? Ah ouais, parce que tu sais pas la magouille. Bah non. Je reprends le thé à Nico. Comment ça? Ah mais hey, hey, si tu veux la reprendre, il faut que t'aies les sous, vieux. Et tu les as pas, alors tu peux pas la reprendre. Non mais, ce que t'as pas compris, c'est Nico qui achète la batteuse, c'est moi qui m'en sers. Non, 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 ça se passe pas comme ça, là-haut. Ah non, mais même Nico, il est pas au courant, encore. Ah ouais. T'as cru, toi? Je fais du business, un peu. Oh là 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 là. Ah, les andins de farming, oh putain. Le jour qu'ils auront compris qu'un andin c'est pas aussi large qu'un tracteur. En même temps, il y aura du progrès de fait. Oui, les tracteurs en même temps. Non, mais même, attends, oh oh oh. Abusé les andins là, oh. Et tu referas un petit peu les andins là aussi parce que. Il va pas pouvoir les prendre sinon, la connaissance. Arrête de tourner. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il avance pas. J'aimerais bien au déné. Mais putain, mais t'aurais fait deux fois le tour comme je te l'ai dit, tu serais moins emmerdé. Patate, va. C'est toi la patate. Cueillon de pain. Regarde-moi ça, puis ça braque pas ce tracteur là. Je t'ai débarrassé là. Allez, coupez le cardan. Mais en même temps, hein. Y'a un con là, il. Attends, on va peut-être éteindre la presse. Y'a un con, il sait pas. C'est pas servir d'un endaineur. J'ai passé ZZ dedans. Ah là 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 là. C'est toi que c'est pas t'en servir. Ouais, moi je suis endainé. Monsieur, j'étais un twin. Le malin. Tu sais même pas t'en servir, quoi. Oui, ben, hein, tu te tais. C'était secret, je voulais pas le dire. Eh ben, tiens, je le dis. Bon, allez, t'avances avec ta poubelle. Ma poubelle, ma poubelle. Ah, pfff. Rendez-né, toi. Oui, qu'est-ce que je peux faire? Bon, Ariane John, va. Vieux crouton. Quoi, vieux crouton? Oh là! Moi ça, je peux pas presser quand même il faut là, avec ces andins de merde. Là. Ah, de Dieu! De Dieu, de Dieu, de Dieu! De toute façon, je sais pas combien de minutes on est là. Pas beaucoup. Oh, je suis beaucoup. Non, pas beaucoup. Comment ça, pas beaucoup? Une douzaine. C'est pas possible. Vingtaine. En fait, je vais te le dire franchement, j'en sais rien. Voilà, tais-toi. Non, mais je crois qu'on arrive à fin d'épisode de toute façon. Nous, on va continuer à presser. À rassembler ouais, les bottes. Ouais, voilà. Non, on les rassemble pas. Si, si, on les rassemble. Parce que les ramasser, les emmener à la ferme et puis les empiler en haut, ça va déjà bien, ça c'est bon. Oh oui, parce qu'on n'a pas de petite chaîne là, franchement. De monde pas... Bah oui, de monde bas, ouais. Ça serait quand même vrai, on les balance, on serait sur le chariot, on les balancerait, mais on peut pas. On est limité. Ah là 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 là, bah. Bon, sinon, j'espère que vous avez toujours apprécié la vidéo. Si c'est le cas, ça, ils peuvent que l'aimer, oui. Pouce vert. Il y a eu du dégât aujourd'hui, hein, faut le dire. Là, faut taper bien ça. Puis attends, ce tracteur là qui a pas de frein à main. Va tirer un corbe. Ah, pas. Bon, il tient en équilibre. Donc, hop, on aurait pu la place. C'est déjà fini. Tiens, j'ai fini. Et. On se dit à la prochaine en compagnie ouais, de ZZ, hein, parce que ZZ, on veut le revoir dans le prochain épisode. Ouais. Bon, il y a le monsieur muet, là.
Monsieur Muet. Lâche-le, il est content. Il est content, voilà. Bon allez, sur ce, à la prochaine. Ouais, salut à vous tous.